Visite du ministre en charge des enseignements supérieurs dans les locaux d'ESCO-IGES. Cette école supérieure privée, jadis en difficulté, a accueilli pour l'année académique en cours près de 1500 étudiants. C'est donc une sortie terrain du professeur Arjuma Chambiano pour en avoir le cœur net. Urbain Benito Sommé, au Moussissé. École supérieure de commerce et d'informatique de gestion ESCO-IGES ce jeudi. Face à leur ministre de tutelle, ces étudiants égrènent leurs préoccupations. Celles-ci tournent autour de leur insertion professionnelle, de l'accès aux bourses intermédiaires, aux fonaires et surtout de l'apport des étudiants dans la résolution de la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Avec les étudiants, nous avons eu des échanges vraiment très très fructueux. Parce que au-delà des préoccupations qui sont, je dirais, celles de tout étudiant, ils ont surtout cherché à savoir quelle pourrait être leur contribution dans le combat actuel que le Burkina mène contre le terrorisme. Et surtout, comment ils pouvaient aussi participer à la résilience donc, de ces populations. Et vraiment, nous avons été émerveillés par le niveau très élevé de ces échanges et surtout l'engagement de ces étudiants à contribuer, à apporter leur contribution au combat patriotique. La visite du ministre Arjuma Chambiano dans cette école supérieure privée entre dans le cadre d'une visite initiée pour s'imprégner des conditions de fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur et surtout féliciter les promoteurs pour leur contribution à un enseignement supérieur de qualité. Une initiative louable. Nous avons une très bonne collaboration. Depuis 24 ans que ESCO-IGES existe, nous avons été de très bons partenaires privilégiés donc du gouvernement dans ses activités, dans ses projets. Avant sa rencontre avec les étudiants, cette rencontre d'échange entre le professeur Arjuma Chambiano et la direction générale et le corps professoral. Cette visite est mise à profit pour visiter l'infirmerie, la salle de langue et la bibliothèque de l'établissement.